Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon camion. Faites pas attention à ça, je reviens de la chasse. Vous pouvez cliquer là si vous voulez tout savoir, c'est une longue histoire. Allez, démarre-moi ça mon vieux. Et après la chasse, qu'est-ce qu'on aime faire avec René pour se détendre? Eh bien, on aime bien faire un petit tour de camion tranquillement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous l'avez remarqué, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Mais, eh ouais, il y a un mais. On est sur le DLC de Euro Truck Simulator 2. Le DLC Vive la France. Et ouais, et franchement, je kiffe Euro Truck Simulator. J'y ai grave joué fut un temps. Et là, j'ai ressorti le volant et tout, mon vieux. Je me suis agacé carrément. Oh putain, j'ai calé. Alors, je suis tout en manuel, hein, en brillage et tout le tralala. Tiens, regarde ça, j'ai encore calé. Allez, on est parti. Donc, aujourd'hui... Ah oui, j'ai pas enlevé le frein à main. C'est peut-être pour ça. Aujourd'hui, petite mission. Espace. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, petite mission, on va se retrouver pour faire un petit Bourges-Limoges, bien tranquillement. Ça va le faire. Oh là là, comment que je kiffe, franchement. C'est un truc de fou. Oh là, regardez ça. Regardez ça, comment que je le gère, le camion, mon vieux. Vous inquiétez même pas, routier de père en fils. Eh ouais. Attends, je sais même pas si j'ai pris la bonne route. Ah si, si, c'est impeccable. Attends, par contre, putain, mon vieux, qu'est-ce qu'il est fort, le moteur. Laisse tomber, je vais me casser les oreilles avec ça. Hop, petit étage, on est parti. Et j'ai calé. Voilà, on y va, tranquillou. Impeccable, donc attendez, je vous montre la map. Aujourd'hui, du coup, donc on part de Bourges tranquillement. On va jusqu'à Limoges. Un petit trajet bien tranquille, histoire de démarrer. Alors je sais pas si vous êtes joueur d'Euro Truck Simulator, mais franchement, ils ont fait un travail de malade. Ils ont mis grave de nouvelles villes en fait. Bah surtout dans la France. En fait, que dans la France. Donc voilà, avant il n'y avait pas beaucoup de villes en France. Et maintenant il y en a quand même un peu plus. Donc ça c'est bien cool. Allez vas-y, fais péter mon vieux. Allez on est parti, roulez tambour. C'est parti, attention on rentre sur la A80. Attention Dominique Arrenet à toutes les stations. On est parti en direction de Limoges, terminé. Ouais j'ai la même CB que j'utilisais dans la chasse. Donc c'est plutôt cool, elle me sert aussi pour le camion. Voilà, impeccable. Et du coup, eh bien ce que je me rends compte, c'est que j'ai carrément pris la mauvaise route. Et ça, c'est plutôt cool. Alors attendez, on va faire demi-tour. Non, même pas. On va pas faire demi-tour, regardez, on va rattraper. Vous inquiétez pas, je connais les routes et tout. T'inquiète pas, ça va le faire. Voilà. Regardez ça bien tranquillement. Ah merde, j'ai pas configuré les clignotants. Bon, c'est pas grave. On va y aller tranquillement. Voilà, on est parti en direction de Limoges. Et cette fois-ci, d'accord, là j'avais tourné à droite. Alors qu'en fait, c'est tout droit. J'ai même pas mis les boutons pour regarder sur les côtés. Ok, j'ai tout à refaire. On va s'arrêter au stop, bien gentiment. Et on va faire ça. Voilà. Ah bah c'est nickel comme ça. C'est impeccable. On règle ça bien tranquillement. Et on est parti. On met les pleins phares. Personne à gauche. Ok, c'est parti, let's go. Allez, on est parti bien gentiment. Et franchement, je kiffe Euro Truck. J'y ai joué grave fut un temps. J'y jouais pas mal en live sur Twitch à l'époque. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Et en même temps, j'ai plus les logiciels. Faudrait que je les retélécharge. À l'occasion, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Comme ça, une petite route et tout. Et donc du coup, je me suis dit qu'un petit Bourges-Limoges, pour débuter, ça pourrait être pas mal. Au passage, vous pouvez retrouver le jeu sur G2A. Il est pas très cher. Vous avez le lien dans la description, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, vas-y, roule les tambours, mon vieux. Hop, j'ai même pas vu où est-ce que j'étais. Oh putain, par contre, va falloir que je fasse gaffe parce que le volant, il est super sensible. Alors, me blâmez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai pas redémarré un petit Euro Truck. Donc, oula, oui, oui. Il me dit que je roule un peu trop vite. Oh, bah, ça va le faire, bien gentiment. Voilà, on va se mettre en... On va se mettre en 7ème, bien gentiment. Allez, c'est parti. Signal automatique, pas loin. Alors, je sais pas s'ils ont rajouté des trucs par rapport à la circulation ou quoi. Franchement, je sais pas du tout. Moi, je fais tout le temps ça. Même quand je suis en voiture et tout, en vrai... Voilà, avance. Même quand je suis en voiture et tout, je regarde tout le temps quand je passe sur un passage à niveau, à droite et à gauche. J'ai toujours peur que les barrières, elles déconnent. C'est un truc de fou, quoi, franchement. C'est un truc de malade. Et nous sortons de la chapelle Saint-Ursin, les amis. La chapelle Saint-Ursin. Et bah, c'est bien cool, franchement. Ils ont modélisé des petites villes comme ça et tout. Franchement, ça fait carrément plaisir, quoi. Ouh, regardez ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ambulance, ça? Ou c'est un convoi exceptionnel? Oh oui, lui, mon vieux, c'est un gros, hein.
Ah ouais, c'est une moissonneuse-batteuse. Ok, d'accord, on continue bien gentiment. Est-ce que je vous ai montré la woodbox du mois de février? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Ah, mais quelle surprise! Regardez, elle est juste à côté de moi. Eh bien, oh putain mon vieux. Jacqueline, tiens le volant, je vais montrer ce qu'il y a dans la woodbox. Alors vous inquiétez pas, ça va le faire. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la woodbox, bien gentiment. Voilà, ça va le faire. Surtout, ne vous inquiétez pas, je gère. Je vais mettre le clavier de côté, voilà, on va faire comme ça. Ça va être chaud, mais c'est un défi. Je relève le défi. J'adore les défis. Attention, c'est parti. Hop là, voilà, on prend la petite woodbox. On va bien sûr rétrograder. Et nous passons à Issoudun. Issoudun, bah oui, je connais bien. Et voilà, tranquillement. Bah tiens, je la connais cette station Isso. Salut, salut. Voilà, on passe tranquille. Et donc, eh bien, les gens, on va voir ce qu'il y a dans la woodbox, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci dans la woodbox? Eh bien, c'est plutôt original, une ouverture de woodbox sur Euro Truck Simulator 2. Vous avez déjà vu ça? Je crois pas, moi. Alors, bon, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le bouquin, comme d'habitude. Oh putain, mon vieux, attends. Je vais rétrograder. Voilà, tranquillement, je passe devant chez la Micheline, je la connais. J'y mange souvent. La petite Micheline, elle fait des petits pâtés en croûte en entrée à volonté. Un régal. Arrêtez-vous-y si vous avez l'occasion, un de ces quatre. Voilà, on sort d'Issoudun, les amis. Et donc, on a la woodbox du mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, merde. Ça va être chaud, moi, je vous le dis. Déjà, à la fin de la woodbox, ils nous disent que le mois prochain, ça va être du Dragon Ball Z. Ah, oui, regardez. La petite boule, c'est toujours un petit indice, en fait, qui nous donne. Voilà, ça va être du Dragon Ball Z. Donc ça, c'est plutôt cool. Saint-Laurent. Ah ouais, non mais hey, ils ont carrément modélisé des toutes petites villes. Attends. Eh, hey, franchement, c'est trop bien. Moi, je vous dis, je vais kiffer Euro Truck Simulator là. Ça va être un truc de fou. Limoges, on va passer sur la A20. Ok, donc ça, ça va être cool. Alors, qu'est-ce que nous avons ce mois-là dans la woodbox? Eh bien, nous avons un joli pins, mesdames et messieurs. Putain, ça va pas être évident parce qu'il faut que je gère le camion et tout. Laisse tomber, c'est un truc de malade. Voilà, on va se caler sur l'autoroute tranquillement, vitesse pépère, personne derrière. Ok, c'est parti, en plus ça va pas tarder à faire jour, c'est plutôt cool. On va avoir le droit à un beau petit lever de soleil. Donc, nous avons un pins de chez Woodbox. Voilà, il est comme ceci. Alors, je sais pas c'est quoi ce pins là. Attendez, bougez pas, je vais regarder dans le bouquin. Voilà, ça tient, vous inquiétez pas. Ah d'accord, c'est un pins exclusif. C'est un pins woodbox exclusif. Vous êtes le dernier rempart de l'humanité. Enfilez votre dispositif de déplacement et faites à l'honneur votre corps d'exploration. Oh merde. Putain. Ouais, faut que je fasse gaffe. Donc voilà. Donc c'est le pins de la woodbox, bien tranquillement. Mon vieux, le routier de l'extrême, je vous explique même pas, c'est un truc de fou. Donc on a un petit pins, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la woodbox? Attends, voilà, tranquille. Eh bien, on a... qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Flasque. Attends, Bordeaux-Limoges, j'ai pas raté la sortie. Non, c'est bon, j'ai pas raté la sortie. Flasque, qu'est-ce que c'est? Merde, attendez, bougez pas. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Merde. Bah vas-y, double, t'inquiète, vas-y. Tu verras quand je te retrouverai dans le fossé un peu plus loin, mon vieux. Ce sera bien fait pour toi. Ah, putain, mais c'est carrément cool. Laisse tomber. Une gourde. Oh, ce délire. Je crois bien que... Merde. Oh, ce délire, je crois bien que c'est Mad Max, ça, non? Attends, Mad Max ou Fallout? I live, I die. Je crois que c'est une petite gourde de Mad Max et tout. Genre, tu sais, les gourdes à whisky et tout, genre tu mets de l'alcool. Franchement, elle est plutôt sympatoche. Donc voilà, petite gourde et tout, bien tranquille. On va la mettre de côté. Voilà, oh putain, je suis à 97, mon vieux. Va falloir que je ralentisse, hein. C'est 90, ouais, parce que j'ai enlevé le limitateur de vitesse. Bah ouais, mon vieux, j'ai pas le temps, moi. Et qu'est-ce qu'on a? Oula. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des gants. Arrête tes conneries. Des gants, mon vieux. Des gants 2X. Je vous jure, c'est un truc de malade. Ils nous ont mis des gants Woodbox ce mois-là. Bah tu me diras, le mois dernier, ils nous avaient mis un bonnet. Et bah ça va très bien aller avec mon bonnet Dishonored 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite... On va... Oh, merde. Ah bah ouais, bah mon vieux, bah mets ton clignotant aussi alors. On va tout de suite les enfiler. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, je vais mettre mes petits gants. Je vais mettre mes petits gants 2X. Voilà, je vous le dis, ça va le faire. Ça va le faire, tranquille. Et bah voilà, regardez ça. Regardez ça, je suis beau comme un camion avec ça. Aire de boissement des 250 mètres. D'accord.
Bon bah tranquillement, est-ce qu'on s'arrête à la station ou pas? Non, ça va. Hein. R2 Boismondé, on va pas s'arrêter. On va continuer tout droit. Bien gentiment. Alors qu'est-ce que nous avons là? Eh bien nous avons, mesdames et messieurs, une jolie figurine de Fallout. Voilà. Et franchement, elle déchire, c'est une goule. Je sais pas si vous avez reconnu. Franchement, elle est trop bien. Attends. C'est ça, hein? Ouais, Fallout 4. Ouais, c'est une goule. Hancock. Voilà. Et franchement, elle est super belle. Elle déchire carrément. En tout cas, les gens, n'oubliez pas, hein, toujours, hein, vous avez un petit code de réduction pour la Woodbox. Hein. C'est dans la description. C'est le code de Jolotte. Voilà, tout simplement. Attends, je vais regarder. Nous avons un autre truc dans la Woodbox. Oh putain. Oh ce délire. Attendez, bougez pas. Lui, je vais le doubler. Lui, on le double. Vas-y, on va le doubler. Bien tranquillement, bien gentiment. Voilà, ça passe. Clermont, La Rochelle, Limoges. Ah bah oui, bah je connais cette route, moi. T'inquiète. Salut René. Salut, c'est moi, je ne fais que passer. On va se mettre tranquillement derrière notre cher collègue. Non, quoique. Vas-y, lui, on va se le faire aussi. Allez, vas-y, on le double. On double. La sortie, non, c'est pas celle-là toujours. Ok, d'accord. Et on est quand même à 120 km/h, cette turbine avec le camion. Bon, j'ai ralenti un petit peu là. Voilà, on ralentit. Et donc, nous avons les gens. Oh putain. On a quand même un joli t-shirt dans la Woodbox. Comme tous les mois. On va le déballer bien gentiment. Donc, je suis sûr qu'il va m'aller comme un gant. Hein, comme tous les t-shirts de chez Woodbox. Ils m'envoient toujours des t-shirts Woodbox. Ils me vont comme un gant à chaque fois. Ça, franchement, ça tue. Par contre, ils ont retenu un petit peu la leçon. Ils ont arrêté de m'envoyer des mugs. Ouais, parce que laisse tomber, j'en ai une collection. Je vous explique même pas quoi. Laisse tomber, j'ai plus de mugs que j'ai de café à la maison quoi. C'est un truc de fou. Par contre, hop. C'est celle-là. Bougez pas, on va voir ce qu'il y a dans le t-shirt. Enfin, ce qu'il y a dans le t-shirt. On va voir comment il est fait, je veux dire. Ok, c'est génial. En déplaçant le clavier, je me suis rendu compte que j'avais complètement arrêté l'enregistrement. Je vous disais donc, mesdames et mesdames, que j'avais reçu un beau t-shirt de Woodbox. Je crois que c'était le dernier truc que je voulais vous montrer. Il me semble. Alors attendez, je vais pas pouvoir le montrer maintenant là. Parce que là, faut que je prenne le rond-point. Et là, ça va être chaud, voyez-vous. Voilà, on va prendre le rond-point tranquillement. Et voilà, le bus il attend, ça c'est cool. Impeccable, nickel. Et franchement, comment que ça tue les petits levers de soleil dans Euro Truck Simulator? C'est un truc de malade, j'adore. C'est carrément trop bien fait. Alors, je vous disais donc que j'avais reçu un très joli t-shirt de la part de Woodbox. Je sais pas si je voulais montrer parce que je crois que l'enregistrement avait coupé. Et franchement, il déchire, regardez, c'est Terminator, il déchire grave quoi. Ah, il tue le t-shirt, c'est un truc de malade. Et de toute façon, tous les t-shirts que Woodbox il m'envoie tous les mois, je kiffe. J'adore. Donc c'est un truc de fou. Moi ce que je kifferais quoi, c'est carrément le même genre de jeu, voyez? Mais vous vous baladez sur Google Maps, tu vois ce que je veux dire? Là franchement, ce serait excellent quoi. Genre Google Maps complètement refait en 3D et tout dans un jeu de camion ou quoi. Ce serait vraiment le top. Ouh, et ça commence à pleuvoir. Ça commence à pleuvoir bien gentiment. On va vite rentrer au bercail. Voilà, de toute façon, on est presque arrivé. On va mettre les essuie-glaces. Voilà, impeccable, c'est là. Voilà, on est arrivé. On est arrivé, ok, nickel. La piscine et tout. Eh, franchement, ils ont refait les trucs, hein. Les zones industrielles et tout, franchement. Ça déchire. Ok, stop. Voilà, impeccable. Entrée, on prend bien sûr la difficulté maximum. On est des vrais routiers. Allez, c'est parti. Voilà, let's go. Ouh, va falloir faire un demi-tour. Alors, je sais comment qu'on va s'y prendre. Je vais faire un demi-tour au fond du parc, là. Voilà, on va faire comme ça. Un petit demi-tour par ici qu'on va faire. Voilà, on prend bien le virage en cassant comme ça. C'est parfait, regardez ça. On va se garer comme des chefs. Vous allez voir. Voilà. Nickel, on se la prend comme ça. Et bah c'est impeccable. Ouais, Dominique, pour René, je suis bien arrivé à quai. Donc là, je vais manger bien tranquillement. Et puis on s'arrête chez la Ginette, comme d'hab. Petit pâté en croûte à volonté. Terminé.
Allez, c'est parti. On se gare tranquillement. Voilà, regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Et bah voilà, c'est impeccable. Non, pas encore. Voilà, nickel. Ok, impeccable. Allez, c'est bon. Bon les gens, on va se laisser là pour la vidéo sur Euro Truck Simulator 2. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'aura permis un petit peu de vous montrer mon skill sur Euro Truck et de vous montrer ce qu'il y avait dans la woodbox. Et vous avez d'ailleurs remarqué que je n'avais pas de skill sur Euro Truck. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager. N'oubliez pas, vous pouvez toujours cliquer sur les petites vidéos à gauche ou à droite. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.